Donc, j'essaie de lire en même temps, de faire la traduction et d'expliquer le sens de certaines phrases. Donc, the phospholipids serve as a major structural component of cell membranes. Donc, les phospholipides servent comme des composés structuraux majeurs des membranes cellulaires. Donc, les phospholipides font partie des composés majeurs des membranes cellulaires. Although phospholipids also contain glycérol and fatty acids, although, ça veut dire bien que les phospholipides contiennent également le glycérol et des acides gras, they differ significantly from triglycérides. Elles diffèrent de façon significative des triglycérides. Donc, bien qu'elles contiennent un glycérol et des acides gras, elles sont différentes de façon significative des triglycérides. Voilà. Donc, il y a de nouveaux participants. Donc, je suis en train de lire un nouveau texte sur le phospholipide et de faire son étude et sa traduction. Donc, je répète, le phospholipide. Les phospholipides servent as a major structural component of cell membranes. Les phospholipides servent ou jouent le rôle de composés structureux majeurs des membranes cellulaires. Although phospholipides also contain glycerol and fatty acids, bien que les phospholipides contiennent également du glycérol et des acides gras, they differ significantly from triglycérides. Elles diffèrent de façon significative des triglycérides. Ça veut dire que même les triglycérides contiennent du glycérol et des acides gras, les phospholipides contiennent également du glycérol et des acides gras. Mais il y a une différence entre eux. On va la voir dans la suite de ce paragraphe. Phospholipids contain only two fatty acids attached to the glycerol. Il nous dit que les phospholipides contiennent seulement deux acides gras qui sont attachés au glycérol. And the third glycerol binding site holds au phosphate group. Et le troisième site de liaison au glycérol, holds, ça veut dire porte un groupement phosphate. Donc, à la différence des triglycérides, qui sont composés d'un glycérol sur lequel sont attachés trois acides gras, les phospholipides contiennent uniquement deux acides gras qui sont attachés au glycérol. Alors que le troisième site de liaison au glycérol contient ou porte un groupement phosphate. Donc, continuons. The phosphate is in turn bonded to an alcohol. Le phosphate est en retour, maintenant une part du phosphate ou du groupement phosphate, is in turn et en retour, bonded, ça veut dire lié à un alcool. Which, ça veut dire qui, varies from one phospholipid to another. Ça veut dire que cet alcool qui est attaché au groupement phosphate varie d'un phospholipide à un autre. On trouve différents alcools dans les différents phospholipides.
Donc, pour résumer, les phospholipides consistent en un glycérol sur lequel sont attachés deux acides gras et le troisième site du glycérol porte un groupement phosphate. Sur le groupement phosphate, on trouve un alcool. This class of lipids has a hydrophilic origin. Donc, cette classe de lipides, ça veut dire les phospholipides, ont ou a une région hydrophilique. Hydrophilique, ça veut dire qui aime l'eau. From the charge on the hydrophilic acid alcohol head. Head ici, ça veut dire la tête. Voir s'il y a des participants. Oui. Donc ici, head, ça veut dire la tête of the molecule, c'est-à-dire la molécule. Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Cette classe de lipides, une région hydrophile, d'où vient cette propriété hydrophile? Elle nous vient de la charge, hein, il y a une charge sur la tête qui est représentée par l'alcool plus le groupement phosphate ou l'acide phosphorique. D'une autre manière, on peut dire que le groupement phosphate plus l'alcool confère aux phospholipides une charge et cette charge est responsable de la nature polaire ou de la nature hydrophile des lipides. And aux hydrophobiques régions, les phospholipides contiennent également une région hydrophobe that corresponds to the long and charged tail, qui correspond à tail, ça veut dire queue, qui correspond à une queue longue non chargée. Donc, qui correspond à une queue longue non chargée. Between brackets, ça veut dire entre parenthèses, cette queue est représentée ou elle est formée par les acides gras. Donc, je répète ce paragraphe. Il nous dit que dans les phospholipides, on trouve deux régions. D'un côté, il y a une région hydrophile qui est représentée par la tête alcool plus acide phosphorique, hein, qui contient une charge. Et on a de l'autre côté une région hydrophobe qui est la queue qui est longue et inchargée et elle est formée par les deux acides gras. When exposed to an aqueous solution, lorsque exposé à une solution aqueuse, c'est-à-dire lorsqu'on met le phospholipides dans une solution aqueuse, par exemple l'eau, qu'est-ce qui va se passer? The charged heads are attracted to the water phase. Les têtes chargées, donc les têtes, le groupement phosphate plus alcool chargé sera attracted, ça veut dire attirer. To attract, ça vient du verbe to attract. Et c'est conjugué au passé. Donc, il sera attiré vers la face de l'eau, Mohiba lui-même. And the non-polar tails et les queues non polaires, hein, the non polaires, are repelled. Repelled, ça veut dire, ça vient du verbe to repel, ça veut dire exclure. Donc, les queues non polaires sont exclus de la phase de l'eau. Donc ici, il nous dit que lorsqu'on met un phospholipide dans une solution, sa région hydrophobe sera attirée vers l'eau. Elle peut mettre le contact avec l'eau, parce que, alors que la région hydrophobe qui est représentée par les queues d'acide gras, elle est exclu de la phase de l'eau. This property
causes lipids to naturally assume single and double, the double layer between brackets bilayers. Donc cette propriété, quelle propriété? Ça veut dire la propriété d'avoir une région hydrophile et une région hydrophobe. Donc cette propriété causes, ça veut dire cause, ou on peut la traduire fait que les lipides to naturally assume, fait que les lipides assument naturellement une layers. Layer, ça veut dire couche. Layer, ça veut dire couche. Layer, ça veut dire les couches. Et cette couche, elle peut être soit single, ça veut dire monocouche, comme elle peut être double, ça veut dire bicouche. Donc, la propriété d'être en même temps hydrophile et hydrophobe fait que les lipides assument, ça veut dire adoptent, une structure qui est sous forme d'une bicouche qui peut être mono ou bicouche, ça veut dire une double couche. Which contribute, ça veut dire soit monocouche, soit bicouche, contribue à to their biological significance in membrane. Elle contribue, donc cette propriété d'avoir, de former une monocouche ou une bicouche, contribue à la signification biologique du membrane. Ça veut dire, elle permet à la membrane d'avoir une signification biologique qui est de, d'être imperméable ou d'avoir une perméabilité sélective. When two single layers of polar lipids come together, lorsque deux monocouches de lipides polaires, lorsque deux monocouches de lipides polaires come together, viennent ensemble, ici ça veut dire lorsqu'ils se rencontrent. Donc lorsque deux couches, deux monocouches de lipides polaires se rencontrent, to form a double layer, pour former une double couche. Donc nous avons d'un côté une couche et l'autre côté une couche. Pour former une double couche, qu'est-ce qui va se passer? On constate que the outer hydrophilic face, ça veut dire, on constate que la face hydrophilique externe, outer ça veut dire externe, of each single layer, de chaque monocouche, will orient itself, itself ça veut dire elle-même, mais ici on va la traduire par le S apostrophe en français, donc orient itself toward, ça veut dire vers, the solution, vers la solution. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire lorsqu'on a deux monocouches qui se rencontrent pour former une double couche, on constate que la face hydrophilique, qui est représentée par le groupement phosphate et l'alcool, et de chaque monocouche, sont orientées ou vont s'orienter vers la solution d'eau, vers la solution aqueuse, parce qu'elles sont hydrophiles. And the hydrophobic portions, et les portions hydrophobiques, ça veut dire les régions hydrophobes, ça veut dire les queues d'acide gras apolaires, will become immersed in the core of the bilayer. Seront ou deviendront, will become, ça veut dire deviendront, immersed, ça vient du verbe to immerse, ça veut dire immerger, hein? Ça veut dire mettre dans une solution. Donc, ils seront immergés ou ils seront immergés dans le corps, ça veut dire le cœur, hein, à l'intérieur de la bicouche. Donc, pour résumer ici, nous avons une monocouche d'un côté, une monocouche de l'autre. Elles vont former une double couche. On constate que les têtes hydrophiles sont orientées vers la solution aqueuse, alors que les queues hydrophobes
seront enfouies hein, ou seront immergées au cœur, fi qalb, la bikouche. On les trouve à l'intérieur. Pourquoi? Parce qu'elles évitent le contact avec l'eau. The structure of lipid bilayer confère caractéristiques en membrane, such as selective permeability and fluid nature. La structure de bicouche lipidique confère, ça veut dire conférer, ça veut dire donner, elle donne des caractéristiques aux membranes, such as, telles que la perméabilité sélective. Donc, cette structure de se mettre en bicouche permet à la membrane d'avoir une perméabilité sélective. Ça veut dire, comme vous le savez, elle permet le passage de certaines molécules et elle part ou bloque le passage de d'autres molécules. C'est ce qu'on appelle une perméabilité sélective. Par exemple, elle permet le passage de l'eau, mais elle bloque le passage de d'autres molécules, telles par exemple les sucres. Et elle a également une autre propriété, c'est d'être de nature fluide. Rappelez-vous le cours de biochimie sur les membranes biologiques ou le cours en terminale. Nous avons vu que les membranes sont fluides, ça veut dire, hein, on les appelle « nemouda du fousséfice et le meher ». Fluides, ça veut dire « meher ». Ça veut dire qu'elles ne sont pas rigides, elles sont fluides, mais ça veut dire leur constituant bouge. Hein. Ils ne restent pas en place, leur constituant bouge. Donc, de cette manière, nous avons terminé ce texte. Pardonnez-moi, je vais voir s'il y a d'autres participants. Oui. Donc maintenant, avant d'attaquer les questions, je vais essayer rapidement de lire le texte en français pour le comprendre ensemble, hein, d'ensemble, dans toute son intégralité. Donc les phospholipides servent comme des composés structuraux majeurs des membranes cellulaires, bien que les phospholipides contiennent également du glycérol et des acides gras, ils diffèrent de façon significative des triglycérides. Les phospholipides contiennent seulement deux acides gras attachés au glycérol et le troisième site de liaison au glycérol porte un groupement phosphate. Le groupement phosphate ou le phosphate et en retour attaché ou lié à un alcool qui varie d'un phospholipide à un autre. Cette classe de lipides a une région hydrophobe provenant de la charge sur la tête alcool-acide phosphorique de la molécule et une région hydrophobe qui correspond à la queue longue et non chargée formée par les acides gras. Lorsqu'exposé à une solution aqueuse, les têtes chargées sont attirées vers la phase de l'eau et les queues non polaires sont exclu de la phase de l'eau. Cette propriété fait que les lipides assument naturellement une couche ou une double couche qui contribue à leur signification biologique dans les membranes. Lorsque deux monocouches de lipides polaires bien ensemble se rencontrent pour former une couche double, la face hydrophilique externe de chaque monocouche s'orientera vers la solution
et les portions hydrophobiques deviendront immergées dans le cœur de la bicouche. La structure des bicouches lipidiques confère des caractéristiques aux membranes telles que la perméabilité sélective et la nature fluide. Voyons voir s'il y a d'autres. Voilà. Donc, nous avons lu le texte. Essayons maintenant de répondre aux questions suivantes. Commençons par la première partie qui est la compréhension. Donc, essayons de voir si on a compris le texte. Comme d'habitude, première question, give a title to the text. Donner un titre au texte. Donc, c'est très facile. À travers ce texte, on a compris qu'il s'agit de la structure ou de la composition des phospholipides. Donc, comme texte, comme titre approprié, on peut dire tout simplement de phospholipides. On peut dire également phospholipid structures. On peut dire également the components of phospholipids, etc. Donc, il s'agit des phospholipides. Deuxième question, what are the components of a phospholipid? Il nous dit, quels sont les composés d'un phospholipide? Donc, je reviens tout simplement vers mon texte. Je trouve le paragraphe qui me dit quelle est la structure d'un phospholipide. Donc, phospholipides contain only two fatty acids attached to the glycerol and the third glycerol binding site hold a phosphate group. Lorsque je continue, je trouve que the phosphate is in turn bounded to an alcohol. Donc, je comprends à partir de ce texte that the structure or the different components of phospholipids is or are two fatty acids, glycerol, phosphate group and alcohol. Donc nous avons quatre éléments ou quatre composés d'un phospholipide. Troisième question, what are the two origins of a phospholipid? Donc, what are the two origins of a phospholipid? C'est-à-dire, quelles sont les deux régions du phospholipide? C'est très facile. Dans le texte, nous avons parlé de deux régions. Une région hydrophile qui consiste en une tête qui comprend le groupement phosphate sur lequel est attaché un alcool. Et nous avons de l'autre côté une région hydrophobe qui est représentée par les acides gras. Donc pour répondre, on peut dire the two regions of phospholipids are hydrophilic region consisting of phosphate phosphate group and alcohol and hydrophobic region that correspond to two fatty acids. Quatrième question, what are the characteristics that the structure of phospholipid bilayer confers to cell membrane? C'est-à-dire, quelles sont les caractéristiques que la structure de la bicouche phospholipidique confère ou donne à la membrane? Si je reviens à mon texte, je trouve que la dernière phrase nous dit que the structure of lipid bilayer confère caractéristiques aux membranes such as selective permeability and fluid nature. Donc les deux caractéristiques qui sont conférées à la membrane, c'est d'avoir d'un côté une perméabilité sélective et d'être de nature fluide. Donc, ce sont les deux caractéristiques des membranes
biologique. Donc ici, tout simplement, je réponds, je dis, the characteristic that the structure of lipid bilayer confers to cell membrane are selective permeability and fluid nature. Pensons maintenant à la partie language. Language, ça veut dire give in French the translation of the following word. On vous donne en français un ensemble de mots, essayez de faire leur traduction. Donc, translation, ça veut dire la traduction. Donc, très simple, bilayer, nous avons vu que layer, ça veut dire couche. Bilayer, ça veut dire double couche. On peut dire bicouche. Property, ça reste toujours en français, propriété, accent à la fin. Bounded, ça vient du verbe to bound. Ici, il est conjugué au passé. Donc, bounded, c'est la traduction, c'est attaché ou lié. Inside, nous avons side, ça veut dire côté. In, ça veut dire à l'intérieur. Donc, inside ici se traduit par intérieur. Fatty acids, comme vous le savez, acides, ça reste toujours acide. Fatty, ça veut dire gras. Donc, les acides gras. Donc, bien sûr, je respecte toujours, dans la traduction, je respecte le pluriel. Je respecte le pluriel et je respecte également le temps dans lequel est conjugué le verbe. Passons à la troisième partie, qui porte sur les synonymes et les opposés. Donc, give from the following words the synonym and the opposite of the word underlined in the table. Qu'est-ce que ça veut dire? Il nous donne un tableau dans lequel se trouvent des phrases. Dans chaque phrase, il y a un mot souligné. Hein? Underlined, ça veut dire souligné. Il nous demande de trouver, dans un premier lieu, de trouver le synonyme du mot souligné et dans un deuxième lieu, de trouver l'opposé du mot souligné. Donc, je traduis ici, donner à partir des mots suivants, c'est-à-dire les mots ici qui sont donnés ici. Donc, donner à partir des mots suivants le synonyme et l'opposé des mots soulignés dans le tableau. Donc, nous avons un ensemble de mots soulignés dans le tableau. C'est très facile également. Donc, je lis la phrase et on commence tout d'abord par les synonymes. Fatty acids attached to the glycerol. Donc, quel est le synonyme to attached? Donc, attaché, ça reste toujours en français attaché, lié. Attaché, le synonyme de attaché, c'est bounded. Hein? Bounded, le verbe to bound, ça veut dire lié, attaché. Et pour vérifier que ça correspond, si je remplace bounded dans cette phrase, donc je lis fatty acid bounded to the glycerol. Le sens de la phrase restera toujours le même et n'est pas changé. Deuxième phrase, which varies from one phospholipid to another. Quel est le synonyme de varies? Varies, ça vient du français également varier, plusieurs variétés, donc des éléments différents. Donc je cherche ici, je trouve que le verbe diffère correspond au synonyme de varies. Je le remplace et je lis which differs from one phospholipid to another. Donc, j'aurai toujours le même sens. Troisième mot, the structure of lipid bilayer confer caractéristiques. Donc, la structure. Voilà. La structure
The structure of lipid bilayer confers caractéristique. Quel est le synonyme de confers? On a traduit que confère se traduit en français par conférer. Conférer, c'est-à-dire donner. Et la traduction de donner, c'est gives. Je remplace, je dis the structure of lipids gives caractéristiques. Ça veut dire donne des caractéristiques à la membre. Which contributes to their biological significance on membrane. Ici, quel est le synonyme de contribute? Contribute en français, c'est contribuer. Je peux également le remplacer par son synonyme qui est participer. Donc ici, je dis which participate to their biological significance in membrane. On a toujours le même sens de la phrase. Donc contribute, son synonyme c'est participate. Passons maintenant aux opposés, the opposite. That corresponds to the long and charged. Donc quel est l'opposé du mot uncharged? C'est très simple. Nous avons le mot d'origine, c'est charged. Lorsque je lui ajoute un, j'ai ici un mot contraire. Donc le contraire de uncharged, c'est charged. Pourquoi? Parce que un, c'est un préfixe qui veut dire non chargé. On the phosphoric acid alcohol head of the molecule. Head ici, ça veut dire en français tête. Quel est l'opposé ou l'antonyme de head? C'est tail. C'est la queue. The non-polar tails are repelled from the water phase. Ici, tail, ça veut dire queue. Quel est l'opposé de queue? Ça veut dire c'est head. Ici, tail en pluriel. Donc, je la remplace par son opposé heads en pluriel. Dernière phrase. Lipids come together to form a double layer. Quel est l'opposé de double? Double, son opposé, tout simplement, c'est single. Enfin, avant-dernier, donc D, fill the table with suffix and prefix from the following words. Ça veut dire, et nous avons les mots suivants. Nous allons tracer un tableau dans lequel d'un côté on va mettre les préfixes tirés de ces mots et les suffixes tirés de ces mots. J'attire votre attention. Dans un mot, on peut trouver en même temps qu'il contient un préfixe et il contient également un suffixe. Par exemple, je prends le mot, premier mot, bilayers. Je connais que le mot d'origine, c'est layer, ou la racine, c'est layer. Donc, je connais layer, c'est couche. Lorsque je lui ajoute B, je précise ici qu'il s'agit d'une double couche. Donc, B, c'est un préfixe qui précise que nous parlons de deux couches. Nous avons également layer mofrad, donc singulier, mais lorsque je lui ajoute le suffixe s, j'ai précisé que je parle de plusieurs couches. Donc dans le premier mot, il contient un préfixe qui est b et contient un suffixe qui est s. Pour rappel, dans le premier cours, nous avons dit que le préfixe ou le suffixe, c'est un mot, c'est une lettre ou un ensemble de lettres qui, lorsque ajouté à une racine d'un mot ou à un mot, précise ou change le sens de ce mot. Ils peuvent préciser, ici par exemple, nous avons couche singulier, mais lorsque j'ai ajouté le suffixe s,
J'ai précisé qu'il s'agit de plusieurs couches. Il peut également changer le sens du mot, comme il peut préciser le sens du mot par rapport au temps. Par exemple, j'ai un verbe au présent lorsque je lui ajoute un suffixe pour le conjuguer dans le passé. Donc, la conjugaison dans le passé a précisé qu'il s'agit d'un verbe dans le passé. Comme je peux préciser également, le suffixe ou le préfixe peut également préciser le rapport du mot par rapport à une place. Par exemple, j'ai un mot, je n'ai pas précisé la place. Lorsque j'ajoute le préfixe ou le suffixe, je précise la place. Nous avons donné dans la séance précédente un exemple. Nous avons dit « war », « guerre ». On n'a pas précisé dans quelle période ou dans quelle... pardon, ici, c'est par rapport au temps. On va voir un autre exemple, Après, on va voir. Donc, continuons avec les préfixes et les suffixes. Donc, ici, membranes. Donc, nous avons le mot membrane, singulier. Lorsque je lui ajoute le suffixe S, j'ai précisé qu'il s'agit de plusieurs membres. Phospholipides. Ici, on connaît le mot lipide. Mais lorsque je lui ajoute le préfixe phospho, j'ai précisé que je parle précisément des phospholipides. Immersed, c'est un verbe. Ici, je connais le verbe to immerse à l'infinitif. Mais lorsque j'ai ajouté la terminaison ed comme suffixe, j'ai précisé que l'action d'immerger s'est passée dans le passé. Ah, vous savez tous que ED veut dire le passé ou l'imparfait. Donc ici, j'ai précisé que je parle d'une action qui s'est passée dans le passé ou qui est à l'imparfait. De la même chose, property, ici je connais le mot propre, ça veut dire propre. Ah, Thierry, ah, c'est à moi-même qui m'appartient, donc proper. Mais lorsque j'ajoute la terminaison T-Y, T, donc j'ai le mot propriété. Donc le suffixe T-Y a précisé que on parle d'une propriété. Le dernier mot, triglycérides, triglycérides, donc on connaît le mot glycéride, qui veut dire sucre. Ici, glycéride sans S, il est singulier. Lorsque j'ajoute le préfixe tri, je précise qu'il s'agit de trois glycérides, de trois sucres. Lorsque j'ajoute le suffixe S, je précise qu'il s'agit d'un pluriel, plusieurs glycérides. Donc, triglycéride contient également un préfixe et un suffixe. À la fin, essayons maintenant de traduire en bon français la phrase suivante. The structure of lipid bilayer confers characteristics on membrane such as selective permeability and fluid nature. Pour traduire un texte en anglais, en français, première chose à faire, c'est de traduire les mots individuellement. La deuxième chose à faire, c'est d'essayer d'organiser les mots dans les phrases selon la grammaire, hein, selon la grammaire de la langue. Hein, il faut respecter la grammaire de la langue. Commençons. Structure, ça reste toujours la même en français. Structure. Lipide, ça reste toujours lipide. Bilayers, nous avons vu que layer, ça veut dire couche. Le S, ça veut dire pluriel. Ou B, ça veut dire bicouche. Donc ici, bilayer,
je la traduis par bicouche, hein, terminaison ES pour dire que c'est du pluriel. Confère, ça reste toujours le même en français, c'est conférer, hein, conférer, confère, donner. Caractéristique, ça reste toujours la même en français, caractéristique. Membranes, ça reste toujours les membranes. Such as, on l'a traduit par tel que. Sélective, perméabilité. Sélective, ça reste toujours sélective. Perméabilité, c'est la perméabilité. Et fluide, elle reste toujours le même en français, fluide. En nature, ça reste toujours nature. Maintenant, après avoir traduit les mots, j'essaie d'organiser les mots, hein, comme en français, hein, selon la grammaire du français. Hein, vous savez très bien, par exemple, ici, on dit sélective perméabilité. Ici, l'adjectif. Hein, et en anglais, on le met toujours avant le mot. Par contre, en français, on met tout d'abord le mot. Et après, il est suivi de son adjectif. Adjectif, ça veut dire not. Et c'est donc lorsque je traduis, je dis la structure des bicouches lipidiques. Hein, ici, en anglais, on a l'adjectif. Après, on a le mot. Mais en français, on commence par le mot, puis par son adjectif. Donc, la structure des bicouches lipidiques confère des caractéristiques à la membrane telles que la perméabilité sélective et la nature fluide. Je commence par le mot, puis par l'adjectif. Donc, de cette manière, nous avons terminé ce texte. Il est très très facile. Donc, je l'ai donné exprès facile, mais les prochaines séances, on va essayer d'augmenter un petit peu la difficulté au fur et à mesure. Donc, on augmente la difficulté, mais le but, c'est de petit à petit, en apprenant les mots et en se familiarisant avec certains mots. Hein, vous savez tous, l'anglais, je l'ai dit dans le premier cours, l'astuce ou la méthode, la meilleure méthode pour apprendre l'anglais, c'est la lecture permanente et insistante tous les jours d'un texte scientifique. Premièrement, la lecture. Et deuxièmement, pour apprendre la prononciation, hein, on apprend toujours. Donc, c'est essayer de taper le mot sur Google Traduction et appuyer sur le haut-parleur de Google, il vous donne comment se prononce correctement le mot. Et on peut également entendre un journal télévisé ou regarder un documentaire ou un film en anglais, et en écoutant, on peut apprendre la prononciation exacte du mot. Troisièmement, bien sûr, en essayant de parler en anglais, hein, un temps soit peu. Je sais que c'est difficile, mais ces choses s'apprennent. Donc, essayez par exemple de faire un exposé en anglais. Ça vous donnera la faculté de parler en anglais. Et merci pour votre participation et à la prochaine séance, Inch'Allah.